Pour poursuivre notre semaine, nous sommes allés à Québec. Nous avons commencé par visiter les chutes Montmorency, qui se situent à 15 minutes, puis nous avons continué ensuite vers le centre-ville du Vieux-Québec. Pour les plus gourmands d'entre vous, je vous conseille d'aller faire un tour chez Maryse qui propose une large gamme de pop-corn salés et sucrés. Mes préférés, ce sont ceux à l'érable et au pacane, c'est vraiment excellent. Pour le repas du midi, nous sommes allés au Shaker qui propose notamment des poutines et des burgers à des prix totalement raisonnables, donc c'est vraiment super bon, on recommande cette adresse. Si vous allez à Québec, vous devriez également aller voir la boutique de Noël qui propose une large gamme d'ornements pour le sapin, de Papa Noël et de choses très mignonnes pour fêter les fêtes de fin d'année. Mais c'est également super beau à visiter, donc c'est ce que nous avons fait. Il est possible de monter également par le petit escalier et puis d'avoir une belle vision sur l'ensemble. Donc voilà, c'est une activité sympathique à faire si vous venez à Québec. Fermé malheureusement, mais du coup franchement super agréable, il y a encore les décos de Noël, puis on passe une excellente journée après un petit repas au Shaker, donc c'est une chaîne qui existe aussi à Montréal. Le château Frontenac est vraiment l'endroit emblématique de Québec et il est possible de rentrer à l'intérieur, au moins de voir l'entrée qui était très bien décorée à l'occasion pour Noël. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez rentrer sous le porche puis rentrer juste visiter un peu le hall d'entrée. Il y a des boutiques, puis il y a un espace vraiment réservé à la clientèle.
Alors, qu'avez-vous pensé de cette petite journée à Québec? C'est très sympa, il faisait pas très froid. Du coup, il n'y avait pas les glissades là qu'il y a normalement à Québec. C'est vrai qu'il s'enneige et en plus le marché de Noël a fermé le 23 décembre. Donc ça, en vrai, c'est vraiment dommage parce qu'apparemment, c'est vraiment chouette le marché de Noël de Québec. Mais c'est une petite journée tranquille, il n'a pas fait trop froid. On a eu un peu froid quand même parce qu'on est resté longtemps dehors, mais sinon, le temps était correct. Et alors, toi, Agnola? J'ai beaucoup aimé le Fermont. Pour moi, c'était le gros point fort. Le château Frontenac, très très joli, très magique. Et je dirais que c'était pour moi vraiment le gros plus de la ville de Québec. Mais sinon, très belle vieille ville et puis les rues sont belles, beaucoup de magasins. Alors les gars, qu'avez-vous pensé de cette petite journée à Québec? Vraiment bien, on a bien kiffé, on a bien marché et tout. Sympa, ouais. On a bien mangé aussi. Ouais, bien mangé à midi au Shaker, c'était vraiment bon. On recommande fortement, surtout la petite boutique de Noël là. Elle est ouverte que à la période de Noël, mais elle est vraiment belle. Non, je crois qu'elle est ouverte, je me demande si elle peut ouvrir toute l'année en vrai. Je sais pas, mais je sais qu'elle est vraiment belle. Donc si vraiment vous venez à Québec, je vous conseille d'aller la voir. Et les popcorns? Et les popcorns de chez Maryse. Chez Maryse, très très bon aussi. Différentes saveurs. On a sirop d'érable et chocolat, donc je pense que le trajet du retour devrait bien se passer. Très bien, on va retourner dans notre parking juste à côté de la patinoire. Puis voilà, on va rentrer à Montréal. Pour terminer sur le thème de Noël, nous sommes allés faire un tour au marché de Noël de Montréal, qui est assez petit mais très mignon. Puis voilà, ça a permis de clôturer cette année 2023 qui était riche en émotions et on est prêt à démarrer la nouvelle année.